Aujourd'hui, je vous parle de la bande dessinée Fille unique de Becca et Camille Mehu aux éditions d'Argo. Alors, Fille unique, c'est une série qui est prévue en 5 tomes. Nous allons nous attarder sur 5 personnages féminins, 5 filles, filles uniques, mais pas uniques au sens elles sont seules dans leur famille, elles sont uniques par leur façon d'être. Et dans chacun de ces tomes, nous allons nous attarder sur un personnage. Alors, nous allons les rencontrer à la rentrée scolaire, elles vont se lier d'amitié. Pourquoi? Parce qu'elles ont un point commun toutes. C'est qu'elles sont toutes un peu hors du cadre, hors du moule. Et leurs différences vont faire qu'elles sont uniques en leur genre. À chaque tome, nous allons nous attarder sur un personnage. Sur le tome 1, nous allons nous attarder, par exemple, sur Paloma. Paloma, c'est qui? C'est une jeune fille qui a eu une enfance un peu difficile. Elle a été traînée de famille d'accueil en famille d'accueil et elle a du mal à donner sa confiance. Dans ce tome, elle va réussir à s'ouvrir grâce à l'amitié qu'elle va avoir avec ses autres filles uniques. Dans le deuxième tome, ce sera avec Céleste. Le troisième tome, Sierra. Le quatrième tome, Apolline. Et le cinquième tome, Chélonia. Fille unique, c'est une bande dessinée moderne qui va parler de sujets de société, de sujets très actuels. On va avoir ces 5 filles qui, par leurs différences, vont nous montrer qu'on peut bien vivre ensemble.